Et on a marqué pour la sixième le but Caroline de Fresnier. Sans que je vous rappelle le numéro 2, Kellywood Contadour, déclaré non partante. Meilleur départ, il est à mettre à l'actif d'Aric de la Belie qui va passer en tête devant les tribunes en deuxième position. Galope incroyable, Doc au troisième rang se trouve ensuite Angelo de la Belie, quatrième position, est occupé le long de la corde par Caline de Casus, derrière Caline de Casus. Se retrouve au cinquième rang l'autre atout de Christelle Courtal, à savoir Gold de la Brûlie. Derrière Gold de la Brûlie évolue Sibylline. Derrière Sibylline se retrouve Ayane Faust en dernière position, patientant Frenchy d'Écosse. Chacun a pris sa place quasiment au début de la ligne opposée. Arrive de la Brûlie qui montre le chemin. En deuxième position, incroyable d'or. Troisième rang, Angelo de la Brûlie. Quatrième position occupée par Caline de Cavus au cinquième rang. Vient ensuite Gold de la Brunine, derrière Gold de la Brunine, Sibylline, derrière Sibylline, Aya de Faust, toujours en admirant, fin d'une Écosse. La fausse ligne droite, Harry de la Brunine qui a l'avantage sur Angelo de la Brunine, qui vient directement maintenant à la hauteur d'Incroyable Doc. Quatrième position, le long de la corde, évolue ensuite Caline de Cavus, une sorte de la fausse ligne droite, sous la conduite de Harry de la Brunie, en deuxième position, le long de la corde, galope ensuite Angelo de l'Abbaye, au dernier rang, Frenchy d'Écosse a beaucoup de mal pour suivre. Ils vont aborder maintenant l'ultime ligne droite, sous la conduite Harry de la Brunie qui a l'avantage. Le de la Brunie se rapproche de plus en plus vite, maintenant venant lutter avec lui à son intérieur. Ayane de Faust également à Paris, il gagne pas mal de terrain poursuivi par Incroyable Doc, en dehors Angelo de la Brunie, poursuivi par Sibylline. La distance, Ayane de Faust qui se retrouve au prix pour la victoire avec Incroyable Doc, avec Doc de la Brunie devant les gens de Angelo de la Brunie, pour le cas avant du photo, Angelo de la Brunie qui prend l'avantage. En faisant une ligne et des vagues, les secondes sont les plus forts, la deuxième place sera en très léger retrait. Ensuite, pause.